Bonjour et bienvenue à ce 52e chapitre de Lightroom Mais Encore. On va parler un peu d'aperçus. Je me suis rendu compte que c'est pas très clair encore, donc on va essayer de mettre en œuvre un peu les aperçus et regarder à quoi ils servent. On avait déjà fait un peu des jeux sur la rapidité où on regardait qu'avec des aperçus 1-1, c'était plus rapide, mais Lightroom a un peu changé sa manière de faire. Donc je vais essayer de mettre en œuvre les aperçus encore une fois et vous montrer un peu à quoi ça sert. Là, tout ce que vous avez sous les yeux, c'est des aperçus. C'est pas les photos que vous voyez, c'est des aperçus des photos qui ont été créées par Lightroom. Ça, c'est des aperçus standards. Donc, chaque fois qu'on a une vue comme ça, Lightroom utilise un aperçu standard. Donc, ça, c'est un aperçu standard, ça aussi. Tout ce qui est en bas, c'est de l'aperçu standard. Lightroom va les recréer systématiquement lorsqu'il en aura besoin. Parce que Lightroom travaille avec des aperçus et pas directement avec les photos. Alors, on va essayer de mettre ça en œuvre et voir l'importance de la taille de l'aperçu standard. Donc là, je me suis volontairement, les paramètres du catalogue, mis à 1024 pixels. Donc je me suis mis dans une optique, j'essaie d'économiser le maximum de place sur mon disque dur et j'utilise pas les aperçus. Bon, c'est pas forcément un bon calcul, hein, dans le sens où vous allez perdre du temps, je vais vous le montrer après, si vous regardez les photos en un peu plus grand. Lightroom vous propose différentes options et une option automatique qui sera à la taille de l'écran que vous utilisez. Donc là, dans le cas présent, 1920, puisque je suis en HD pour enregistrer les vidéos. On va faire les tests. Qualité, j'en parle pas pour l'instant. Voyez ça un peu comme de la compression JPEG, plus ou moins comprimer votre aperçu. Mais on va rester comme ça et je vais aller effacer tous les aperçus. On va voir ce qui se passe. Donc, je vais quitter Lightroom et je vais aller effacer tous les aperçus de ce catalogue. Là, je suis dans le répertoire où il y a mon catalogue de test preview, et je vais effacer le répertoire preview. Donc, là où j'ai tous les aperçus, et je vais faire supprimer, et je vais relancer mon catalogue. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que des images vont manquer. Là, vous voyez, là en bas, j'ai pas les images. Celle-là, elle met du temps à apparaître. Ça y est, elle vient d'apparaître. Il y a eu un chargement. Puis hop, les autres apparaissent aussi. Ça met un peu de temps. Et puis il y en a une là qui met un peu plus de temps que les autres à apparaître, puisqu'il y avait un développement dessus. Ça a été un peu plus compliqué pour Lightroom. Il a dû recréer tous les aperçus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a quoi sous les yeux là? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 images. On va aller voir le nombre d'aperçus créés par Lightroom. Donc là, je vais voir mon répertoire preview et je fais propriété. J'ai 15 fichiers à l'intérieur. Alors, il en fait peut-être un de plus, un de moins, mais vous voyez que ça ne bouge plus. J'ai 15 fichiers et j'ai que 15 fichiers. Propriété, voilà. Parce que, il n'a pas besoin de plus pour l'instant. Si je bouge et que je vais un peu plus loin, donc on va retourner sur Lightroom. Si là je prends mon petit slider et que je bouge, vous allez voir que les vignettes ne sont pas là. Elles vont apparaître après. C'est ce que je vais faire. Hop, voyez, les vignettes sont pas là. Et là, elles viennent d'apparaître. Elles sont pas là tout de suite. Tandis que si je vais dans l'autre sens, là où j'avais déjà les aperçus, les vignettes sont là. Mais si je vais un peu plus loin, ah, les vignettes sont pas là. Et là, il est en train de les recréer. Donc là, on peut dire que j'ai fait 5 images à droite, 5 images à gauche. On va retourner dans le répertoire. Et là, si je regarde, propriété, vous voyez que j'ai 26 fichiers. Avant, j'en avais 15. Maintenant, j'en ai 26. Donc, il a créé 11 aperçus de plus. Voilà à quoi vont servir les aperçus. Alors, la taille de l'aperçu, je vous ai dit que ça a son importance. Pourquoi? On va retourner dans Lightroom. Et là, j'ai dit que je voulais des aperçus 1024. Là, je dirais, ça tombe bien. Ma photo ici n'est pas plus large que 1024. Donc, il utilise l'aperçu 1024 pour me la montrer. Maintenant, imaginons que j'aille, je sais pas, je vais prendre cette photo-là et je vais ici réduire le bandeau en bas. Ma photo va donc devenir plus large puisqu'il y aura plus de place pour l'afficher. Et normalement, ce qui va se passer, c'est que Lightroom va se mettre en chargement parce qu'il n'a pas assez d'informations dans l'aperçu. Donc, il est obligé de créer un aperçu plus grand. Donc, on va fermer le bandeau pour voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, chargement, hop, 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 ça y est, il a fait son aperçu. Donc là, il a eu besoin de créer un aperçu plus grand pour montrer la photo. Si je passe en plein écran, alors je ne sais pas si en plein écran, je ne sais pas quel aperçu il vient de créer. On peut tester quand même en allant en plein écran. Alors, plein écran, je crois que c'est F ou quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur F.
Non, donc là, il n'a pas fait de chargement, il a créé directement un aperçu qui avait une taille suffisante pour passer en plein écran. Donc en fait, il a créé l'aperçu automatique qui est le plus grand par rapport à l'écran. Donc si ensuite je réaffiche ça, on peut faire le test avec une autre photo. Alors maintenant, si je remasque ici, vous allez voir que c'est immédiat, puisqu'il a l'aperçu. Mais si je prends une autre photo qui est également en mode paysage, je sais pas, je vais prendre celle-là, voilà. Et je vais fermer le bandeau. Allons-y, fermons le bandeau. Hop, il passe en chargement. D'accord? Et là maintenant, bon, bah, il a, si je referme à nouveau le bandeau, il l'a tout de suite. Et si je reviens, on va revérifier, je vais revenir à ma photo ici. Et je ferme ici le bandeau. Vous voyez, il n'y a plus de chargement parce qu'il a directement le bon aperçu. Ça, si on fait des aperçus qui sont plus grands dès le départ, on n'aura pas ce problème-là. On va aller le tester tout de suite, c'est-à-dire que je vais faire édition, préférence, paramètres du catalogue, pardon, et je vais mettre automatique 1920, ok. Je vais fermer mon catalogue, je vais effacer les previews et je vais revenir. Donc là, j'efface mes previews, supprimer, ok, et je relance mon catalogue. Donc à nouveau, il va manquer des choses, hein. Il va manquer des vignettes, vous voyez, les vignettes sont pas là, elles apparaissent au fur et à mesure, l'image aussi. Ça se met en route tout doucement, donc il recrée les aperçus. Mais ce coup-ci, il a créé des aperçus qui font 1920. Donc ça veut dire que l'aperçu qu'on a là est assez grand pour être regardé en plein écran. Donc on va aller tester en allant voir une photo ici, par exemple. Je vais reprendre celle-là, d'accord? Et donc celle-là, maintenant, si je ferme le bandeau, il ne devrait pas partir en chargement car il a directement la bonne taille. Donc je ferme le bandeau et vous voyez qu'il n'est pas parti en chargement. Donc faire des aperçus standards trop petits, ce n'est pas un bon calcul si vous avez un grand écran. Faut que vos aperçus standards fassent au moins la taille de l'écran. C'est pour ça qu'il y a maintenant ce mode automatique qui est bien pratique puisque vous aurez un aperçu qui correspond à votre écran. Donc, tant que vous êtes en mode bibliothèque, si vous passez en full screen, vous pourrez toujours voir directement les photos. Ça sera immédiat. Si je passe à celle-là et que je passe en full screen, c'est immédiat. Vous voyez, c'est très rapide. Alors, celle-là, c'est un mauvais exemple parce qu'elle n'est pas en paysage. Voilà. Donc, très bien. Et ça se passe très bien. Ça sera rapide. Donc, ça, c'est pour les aperçus standards. L'aperçu 1.1 lui sert simplement à zoomer en 1.1 dans le module bibliothèque. Donc là, si je fais un zoom, ici, vous voyez, chargement, il est en train de créer l'aperçu 1.1. Il en a besoin pour vous montrer l'image complète. Maintenant, si je rezoome dans cette photo, là, il ne se passe rien. C'est-à-dire que je sors, je reviens, je zoome, l'aperçu 1.1 est là, il l'utilise en plus, il doit être dans la mémoire cache, il n'y a aucun problème. Si je prends une autre photo, vous voyez, là, et que je zoome, ben, il va à nouveau repartir en chargement parce qu'il a besoin de créer l'aperçu 1.1. Donc, lorsque vous créez l'aperçu 1.1, ça vous évite ce temps de chargement quand vous zoomez. On peut aller regarder ça autrement, dans le sens où, si je les crée, alors je vais les créer, je vais prendre deux photos là. Je vais prendre ces deux photos-là et je vais faire, pardon, bibliothèque, aperçu, et je vais faire créer les aperçus 1.1. D'accord? Donc là, il crée les aperçus 1.1 pour ces deux photos. Donc maintenant, quand je vais zoomer, voilà, pour deux photos, et maintenant, quand je vais zoomer dans la photo, ici, comme j'ai l'aperçu 1.1, ça devrait être immédiat. Et c'est immédiat. Donc voilà, les aperçus 1.1, ça sert à ça. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe en mode développement. Parce qu'en mode développement, c'est encore un peu différent et il ne traite pas l'image de la même manière. Donc, avant toute chose, on va bibliothèque, aperçu, supprimer les aperçus, hein, tout supprimer. Bibliothèque, aperçu, au cas où on a des aperçus dynamiques, supprimer les aperçus dynamiques. Et on va aller dans édition, préférences et on va purger la mémoire cache. OK. On va maintenant passer en développement et on va voir ce qui se passe. J'appuie sur développement, donc j'ai ma photo qui est là. Là, a priori, il a utilisé un aperçu standard pour l'afficher. Et maintenant, je vais zoomer à l'intérieur. Et vous voyez que l'affichage est immédiat. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis rentré en mode développement, Lightroom a créé un aperçu pour pouvoir développer cette photo correctement. Alors, ce n'est pas un aperçu 1.1, ce n'est pas tout à fait un aperçu dynamique non plus. C'est un fichier de travail interne qu'il utilise.
On peut maintenant dire à Lightroom, et c'est ça qui est intéressant, lorsqu'on a des aperçus dynamiques, vous savez, je vous ai fait des vidéos sur le sujet, et l'aperçu dynamique, ça permet d'utiliser des fichiers moins lourds lorsqu'on part en déplacement ou ainsi de suite. Le problème, c'est que les aperçus dynamiques n'étaient pas utilisés quand les originaux étaient en ligne ou visibles par Lightroom. Et maintenant, Lightroom a une option ici dans Édition, Préférences, et qu'on va dans Performance. Vous voyez qu'ici, il y a un truc Utiliser les aperçus dynamiques plutôt que les originaux pour retoucher les images. Donc ça veut dire que si vous créez un aperçu dynamique, qui, je vous le rappelle, est un fichier quand même assez léger, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du développement, même si vos images sont en ligne. Et donc, comme les aperçus dynamiques sont à côté du catalogue, et si vous avez le catalogue sur un SSD, ben vous allez aller plus vite en développement qu'avec vos images originales qui sont, elles, sur un disque dur plus long. Pour terminer sur cette histoire d'aperçu 1.1, vous voyez, quand je me promène d'une image à l'autre, c'est assez rapide. Si je passe à l'image d'à côté et que je reste en zoom 1.1, on voit que l'affichage est apparu super rapidement parce que je pense que Lightroom, lorsqu'on est sur une photo, doit se dire qu'on va bientôt développer celle d'à côté et il doit avoir des créations d'aperçus comme ça en tâche de fond qu'on ne voit pas forcément. Maintenant, est-ce que ça, c'est un aperçu 1.1? Ben, pour s'en rendre compte, on va retourner dans le module bibliothèque. Je vous rappelle qu'on a effacé les aperçus 1.1 et donc on va zoomer dans cette image. Et là, vous voyez qu'il y a le chargement et qui crée l'aperçu 1.1. Donc, le fichier qu'il a créé pour le mode développement, pour faire son développement, il ne l'utilise pas dans le module bibliothèque. Pour faire un zoom 1.1 dans le module bibliothèque, il a besoin de l'aperçu 1.1. Ça veut dire quoi ça? Donc, pour résumer, il faut créer des aperçus standards de taille suffisante. Ça, c'est pour pouvoir mettre vos photos en plein écran sans que Lightroom soit obligé de recréer des aperçus. Les aperçus 1.1 sont utiles dans le module bibliothèque lorsqu'on veut faire un zoom 1.1 sur l'image. Vous avez vu, on en a besoin. Et ensuite, dans le module développement, c'est une gestion plus particulière. Où là, c'est assez difficile à mettre en œuvre tous les trucs du module développement, parce que Lightroom fait quand même pas mal de trucs en tâche de fond que je ne maîtrise pas. Mais on va dire que dans le module développement, dès que vous rentrez dans une photo en mode développement, ben, il vous crée un fichier de travail pour que vous puissiez travailler confortablement avec cette image. Ce qu'il ne fait pas forcément dans le module bibliothèque, puisque dans le module bibliothèque, il crée un aperçu 1.1 uniquement si vous allez en 1.1. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, même si c'est pas forcément super facile. Donc, une dernière fois, aperçu standard de taille suffisante, utilisez le truc auto, c'est très bien. Aperçu 1.1 uniquement si vous faites des zooms 1.1 dans le module bibliothèque. Et autrement, vous pouvez faire des aperçus dynamiques pour aller plus vite en mode développement, puisque Lightroom va les utiliser. Voilà, j'espère que ça vous met les idées un peu plus au clair. À la prochaine!